Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une énorme session d'exo sur Alliance Glourson par le jeune On n'a pas le PA qui m'a amené les alliances sur le serveur. Donc pour ceux qui avaient suivi, j'avais déjà fait une vidéo avec lui. On avait fait 54 tentatives sur des énormes jets et on avait passé 0 exo. Et il m'avait dit je reviens dans 3 mois avec une autre vague parce qu'il lui faut 3 mois pour monter les items tellement on est sur des jets hardcore. Et bien nous y voilà aujourd'hui. Donc déjà je suis extrêmement touché que des abonnés prennent autant de temps pour me fournir des exos à passer. Je suis vraiment honoré de ça. Surtout que là, on est sur des jets absolument magnifiques, vous allez le voir. Donc on a manifestement 41 PA et 9 PA à ma claquer. On va commencer par les PA. Et je peux vous dire qu'on est sur du lourd. Je vous montre le premier jet, juste comme ça, qui vient pour que vous compreniez le genre de jet dont on parle. Voilà, on parle d'Alliance Glourson, de calibre les meilleurs qui existent dans le jeu. Et là, on en a 50 comme ça. Donc évidemment, les plus impressionnantes sont celles sur lesquelles on va mettre un PM, parce que ça veut dire qu'en plus d'un jet presque parfait, il y aura un over ou un exo de type over vitalité ou exo résistance. Ce qui fait que si on passe un PM, ça a encore beaucoup plus de valeur que de passer un PA. Dans l'idéal, il m'en faudrait moi un jour des renvois de dommages PM, ce qui correspond à quelque chose d'absolument incroyable, et peut-être qu'on aura l'occasion de tenter ça dans des futures vidéos. Allez, c'est parti, j'espère pour lui qu'on aura au moins un exo qui va passer sur cette deuxième vague, donc 50 tentatives sur des jets monstrueux. C'est parti. On n'a pas le PA. Pas de PA. Avec le petit over vitalité magnifique. Pas de PA. Wouah, moins 1 vita, 40 sagesse, incroyable. Pas de PA. 255 vitalité, c'est incroyable. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais le 255 vita fait plaisir. Là, on a typiquement 1% résistance R, donc celle-ci, on va la garder pour du PM, on les fera après les PM. Ouah, alors là, le G. Oh, vous savez qu'on est à 1 de vitalité d'avoir la meilleure alliance Glourson PA théoriquement possible. C'est absolument fou. Sagesse parfaite, initiative parfaite, over 4 vitalité. C'est vraiment des G. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'heures de forge magique qu'il faut juste pour avoir le G sur lequel on tente le PA. C'est vraiment incroyable. C'est bluffant. Franchement, et je sais de quoi je parle, que je connais la forge magie. C'est absolument énorme. Oh, si on avait eu un PA là-dessus. Ouais. Toujours pas. Non plus. Chaque fois, je prends un peu le temps d'admirer les jets parce que vraiment, ça force un grand respect. Pas de PA. Pas de PA. Non plus. En vrai, quelque part, je me dis, si on passe un PA, je vais être dégoûté que ce soit pas passé sur celle à 254 vita perf. Mais bon. Petit over intel ici. Ça a le mérite d'être original. Pas de PA. Oh, les jets sont vraiment incroyables. Non. Toujours pas. Pas de PA. Non plus. Ok, j'ai une raise à garder là. Encore un jet incroyable. 255 vitalité. Pas de PA. 252 vitalité. Pas de PA. La quantité de travail qu'il y a derrière est absolument dingue. Non plus. Un d'intelligence. Pas de PA. Pas de PA. Allez, allez. Celle-là aussi très très belle en 40 sagesse. Les 40 sagesse, c'est un autre monde en Forge Magie. Toujours pas. Pas de PA. Pas de PA. Pas de PA. On va y arriver, on va y arriver. Tout léger, je pourrais passer un moment devant à m'extasier, hein, vraiment. Allez, faut que ça passe sur un PM, au moins.
Oh. Oh, celle-là, typiquement. Un PM là-dessus, je peux vous dire que ça enflamme les enchères. Il y en a une deuxième derrière, encore mieux. Oh, on arrive ensuite sur des grosses vitalités. Pas de PA. Ok, on va garder donc après, on a 9 tentes APM sur soit des Exorez, soit sur des gros Overvita. Pas de PA. Il reste 3 tentatives PA, les amis. Bon, pas de PA qui passe. C'est maintenant qu'on peut sortir une énorme dinguerie. On boit un petit coup. On va commencer par les Exorez. Et on finira par les exos, enfin les Overvita qui sont les plus fous concrètement. Est-ce qu'on a un PM les amis sur ce Nir Perf 1% résistance eau? Ce qui est en plus assez recherché dans la méta actuelle. Pas de PM. Deuxième tentative sur un jet similaire, également très très bon. Pas de PM. Troisième tentative sur un jet similaire. Toujours pas. Tra, vraiment, c'est fou. Donc là, je me garde de côté les Overvita. Hein. On les fera en prêt. Donc là, on a un Exo Résistance R. Pas de PM. Il y aurait 5 clics. Il a fait tout le travail, j'ai juste à cliquer et j'arrive pas à cliquer assez bien sur les runes. Hein. Je vous présente mes excuses. Mais là, il y a juste trop de, il y a juste trop de taf derrière, trop de level. Est-ce que j'ai raté une autre? Oui, résistance O ici. Et elles ont toutes les stats à 60, hein, c'est impressionnant. Pas de PM. Ok, il y en a une Overvita en bas là. Très bien, on passe aux Overvitalités, ce qui sont celles qui sont à mon avis celles qui auraient le plus de valeur marchande et qui seraient absolument incroyables. On a 4 tentatives sur des Overvitalités de presque 50, ce qui est absolument dingue. Le maximum théorique c'est 55 d'Overvitalité. Donc le plus gros jet qu'on pourrait avoir en Overvita PM, c'est 305 de vitalité PM. Donc là on est très très proche du maximum théorique. Et c'est un item qui est très dur à faire et qui est très joué. Donc c'est vraiment une dinguerie. Est-ce qu'on peut avoir un PM sur cette magnifique Alliance Glorson Near Perf Over Vitalité? Pas de PM. Il nous en reste 3. 296 de Vita. Pas de PM. 299 de Vita en 39 sagesse. Oh, c'est si beau. Pas de PM. Et la dernière à 300 Vita. Bon. Bon. Un PM, c'est quoi dans une vie? S'il vous plaît. Est-ce qu'on a le PM sur cette magnifique Alliance Glourson, Near Perf, over 50 vitalité? J'ai cliqué à côté la première fois, j'avoue. Je sais pas si vous vous rendez compte que nous on fait ça en quelques minutes, voilà, mais derrière la quantité de travail est absolument dingue. Et il me dit, je reviens dans quelques mois, à plus. Aïe. Comme quoi, je suis pas le seul taré à travers de l'AFM sur un nombre d'heures déraisonnable. Donc on est à 0 sur 104 tentats de ce style. Bah écoutez, énorme respect à lui, c'est tout ce que je peux vous dire. Énorme respect. Énorme respect. Bonus, passage d'une rune de transcendance dommage sort pour ce casque d'Illyséel qui ira sur un Sacrieur R Coliseum.
Le problème, c'est que j'ai 29 d'overvitalité. Alors, je pourrais les enlever avec une rune raise, mais je vais être ambitieux, je vais tenter double pas-âge. Sachant que la rune raise, elle peut me faire moins 30 ou moins 31 vita, et avec double pas-âge, je peux avoir moins 30 ou moins 31 ou moins 32 vita, donc ça peut me baisser un peu plus la vita. Mais si j'ai une pas-âge qui crit, ça me met giga bien. Donc c'est parti, allez, une fois, deux fois. J'ai pas de crit, ça aurait été très peu probable, mais j'ai le double moins 15, donc c'est le meilleur cas de figure possible. Et là-dessus, on met la petite transe, dommage sort. Magnifique.